Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur Eva Sound Studio. Rebonjour pour ceux qui étaient là entre midi et deux. C'est bon, rafraîchi, douché, mangé, petit café, après la session de Ring Fit. Donc, comme promis, du Pokémon Unite, comme une fois de temps en temps, mais pas très régulièrement. Tout simplement parce qu'il y a un event d'Halloween et qu'on est en fin de saison, fin de première saison de classé. Donc on va se balader dans Unite avec tout ce qui se passe en ce moment. Pokémon Unite, le MOBA sur la Nintendo Switch et version mobile, cross-platform d'ailleurs, on peut jouer avec des gens d'un côté comme de l'autre. Les nouveautés de cet event spécial Halloween, nous avons des costumes et un mode de jeu spécifique. Ce sont des récompenses à gagner. Voici un skin de Zeraora qui est en mode magicien dans les étoiles. On a une tenue complète pour notre dresseur et un costume pour Lucario. Voilà. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils appellent ça des holo costumes en fait. Je comprends pas le holo. Ça, je ne l'ai pas encore. Voilà, donc vous me voyez avec ma tête de citrouille, c'est magnifique. Alors, les événements d'Halloween. Voilà, comme vous le voyez, hein. On a des bonus de connexion durant le temps d'Halloween. Alors, des choses ont déjà été faites de mon côté. Se connecter en le premier jour, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, etc. Jusqu'à la fin. On en est au neuvième jour aujourd'hui. Et il y en a 14 au total. Et on gagne des citrouilles. Ces citrouilles, en fait, c'est une monnaie qu'on peut dépenser là-dedans. On peut dépenser une citrouille, on a accumulé maximum 999, mais ça c'est clairement pas possible, le jeu a prévenu qu'on ne pourrait pas avoir toutes les citrouilles pour tout acheter. Une citrouille peut nous permettre d'acheter un boost de points de combat. Boost, donc qui multiplie par 2 le nombre de points de combat reçus à la fin des parties pendant un jour. Ou bien, ça nous permet d'acheter une boîte à citrouilles, on dépense 2 citrouilles pour acheter une boîte à citrouilles qui contient une citrouille. Deux citrouilles ou plus, sachant qu'il y a 70% de chances que vous ayez au mieux, que vous ayez une ou deux citrouilles. Quoi. Donc ça, c'est clairement pas rentable. Si vous dépensez 5 citrouilles, vous pouvez avoir ce cadre photo du profil, ou bien, un sticker sur le profil, un fond sur le profil pour 10 citrouilles, une position, je suppose, pour notre personnage dresseur contre 20 citrouilles, contre 50 citrouilles, le chapeau pointu avec la perruque, et ce qui nous intéresse, que j'ai déjà récupéré, contre 70 citrouilles, on récupère un nouveau Pokémon directement, un permis unité avec Rongrigou, un écureuil. Voilà, j'ai rien compris à cet écureuil, je l'ai utilisé, je l'ai essayé, j'ai rien compris, je vous le dis tout de suite. Mais il a l'air super intéressant à jouer, ça innove en termes de gameplay. Tous les jours, on a des missions quotidiennes d'Halloween. Si on lance une partie avec un ami, on a une boîte à citrouilles. Il n'y a pas le pourcentage. La semaine dernière, le pourcentage était écrit. Si on lance une partie classée, on gagne une citrouille. Si on transforme un Pokémon en citrouille sur le mode citrouille, on gagne une citrouille. Autre quête spécifique. Lancer une partie lors de l'événement nuit d'Halloween dans l'arène Outre-mer. Donc c'est vraiment le mode de jeu Halloween. Et là, on gagne 3 citrouilles. Si on fait ça avec un ami en plus, on a 3 citrouilles supplémentaires. Si on gagne en plus, on a 3 citrouilles supplémentaires. Donc en gros, ça, vous pouvez faire une partie si vous êtes bon. Vous avez ça aussi. 2 boîtes à citrouilles. Si vous remportez avec un ami dans la map du mode de jeu d'Halloween. 3 parties avec un ami, 2 autres boîtes. Si vous lancez 10 parties, 10 citrouilles. Si vous transformez un Pokémon en citrouille 10 fois, vous avez 10 citrouilles. Et si vous remportez 10 parties avec un ami, vous avez 10 citrouilles également. Donc, vous voyez, moi, c'est fait. Elles sont toujours là, les quêtes communautaires. Elles utilisent rassemblement une fois dans le chat rapide, tous les jours, pendant encore 9 jours. Ça nous fait 20 tickets par jour, ce qui n'est pas négligeable. Ça, on le regarde après, c'est dans la boutique. Ça, on connaît déjà des quêtes classiques que tout le monde a. Les missions Zeraora, c'est fait. Missions quotidiennes chaque jour, c'est toujours la même chose. Par contre, on a eu pas mal de quêtes nouvelles,
Bon, c'est 5 parties avec soutien, défenseur, attaquant, et etc., etc. Puis 10 parties. Atteindre ça, on l'avait vu la dernière fois. En stream. Ça aussi. Et des nouvelles missions d'événements, par contre. Donc de nouveau, 6 soutiens, 12 défenseurs. Maître Chaos Serra Crawl 12 fois. Tarambule Serra Crawl, c'est dans la map. C'est laquelle ça map? C'est la map de base. Tarambule, c'est le jardin. Régigijas, c'est dans le jardin aussi. Et ça se fait assez rapidement en vrai. On peut faire 6-8 tarambules par partie en gros, donc ça c'est rapide. Et Régigijas, en étant bon, on peut en faire 3 par partie, donc c'est assez rapide aussi. Nouvelle mission d'événement, c'est vraiment celle du début de la semaine là. Donc on va mettre KO 12 Pokémon sauvages de la jungle. C'est faisable en une partie, hein, vraiment. Et on récupère des tickets et un permis temporaire pour jouer Nymphalie. Pendant 24 heures, on débloque Nymphalie pour ceux qui ne l'ont pas. Voilà. Donc ça a été fait. Lancer 6 parties rapides, 8 assistances, faire 8 assistances, être élu MVP 2 fois. Et ensuite, 24 parties avec un Pokémon attaquant pour récupérer 3 jours supplémentaires de Nymphalie et 250 tickets. Puis, bien sûr, vu qu'on nous donne Nymphalie pendant un certain temps, lancer 12 parties avec Nymphalie, on a de nouveau 250 tickets. Voilà pour tout ce qu'il y a à faire. Dans cette dernier patch, voilà, correction de bugs, correction de texte, mise à jour d'événements et des boutiques. Quelques équilibrages. C'est pas foufou hein, encore les équilibrages, ça va venir petit à petit. Je rappelle que derrière Pokémon Unite, c'est pas forcément Nintendo ni Pokémon Company, mais c'est Tencent et Timmy, ce sont les studios qui appartiennent. Enfin, qui sont affiliés à Riot, hein. Riot appartient à Tencent, mais Timmy appartient à Tencent aussi. Côté passe de combat, on avait vu ça la dernière fois. Les tenues, oui, les boutiques. Jetons un œil aux boutiques. Donc on a du Mamochon dernièrement, on a Nymphalie, et on a Rongrigou, qui est ici. Voilà, pour les Pokémon. Côté skin, il y a des choses. Il y a des choses. On a le masque de Pikachu Halloween ici, qui était contre 770 aussi. On a le chapeau d'Halloween qu'on peut acheter du coup via les citrouilles. Ça, c'était pas via les citrouilles. Ça, on peut l'acheter via les citrouilles. Voilà. On a un sac à bonbons qu'on peut acheter aussi. Alors moi, je l'ai pas acheté. J'ai juste acheté la tête Pikachu citrouille. Le sac à bonbons, voilà. Et on peut avoir une tenue complète d'Halloween qui est plutôt stylée. Alors c'est pas trop vraiment mon style, hein, mais je la trouve quand même assez stylée en vrai. Voilà. Et en nouveau, on a sinon une tenue l'euphorie en entier. Chacun son style. En vrai, je trouve pas ça dégueu, mais je le porterai pas. Voilà. On jette un œil au reste au passage. Euphorie, on a jeté un œil. On a quoi là-dedans? On a le Lucario. Le skin de Lucario. Voilà, une cape, un chapeau, une bourse. Rien de fou. Blanc coton en mode star. J'aime beaucoup Gros Doudou, il est très rigolo. C'est simpliste, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai un coup de cœur pour le Dracaufeu Cozy. Je n'ai pas acheté parce que j'achète pas les skins, je préfère les gagner. Mais voilà. Et sinon, bien sûr, le Zeraora dans les étoiles. Tiens-toi droit, Zeraora, s'il te plaît, qu'on te voit mieux. Il a pas envie. Bon, il a pas envie. Voilà. Et après, le reste, c'est des choses qu'on avait déjà vues. On avait déjà vu, on va vérifier dans Zirko. On va y arriver. Voilà, on les avait déjà vus. Ok. Bien, ah bien, direction l'événement d'Halloween. Actuellement, je suis classé division 4, un point sur le classement quand même. Donc pour le moment, je peux gagner ce skin complet. Pour ça, en fait, tout le monde peut le faire. Il faut lancer 20 parties classées sur toute la saison et atteindre le rang confirmé, donc en gros atteindre le rang argent. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Actuellement, je suis spécialiste, c'est l'équivalent du... Alors attendez, bronze, argent, or.
c'est platine, je crois, il me semble. Et après, c'est diamant. Voilà, spécialiste division 4. Je pourrais monter division 5, voire expert en 9 jours, mais. 9 jours, c'est ça? Ouais, 9 jours. Mais en vrai, je me le sens pas. Donc, ce classement me convient bien. Voilà, direction la partie rapide. Alors, une chose à savoir. Vous savez, les parties rapides, les maps changent tous les jours. Sauf quand il y a une map thématique qui est là tous les jours. Mais par contre, on peut jouer quand même sur les autres maps de base rapides. Mais il faut aller les chercher. Il faut vraiment aller scroll là-dedans pour aller les chercher. Voilà. Hop, la nuit d'Halloween dans l'arène Outre-mer. C'était le but d'aujourd'hui. En aléatoire, pas contre l'ordinateur. C'est parti. On va rechercher une partie. Alors, qui va-t-on choisir? Comme d'hab, lapin de feu. Pas de skin pour lapin de feu. Je trouve que ça fait l'effet du skin, ça fait ramer, je trouve. Allez, go! C'est parti! Alors, on a comme d'hab nos sorts habituels. Par contre, on n'a pas nos items. On n'a pas du tout l'item, on n'a pas la potion. C'est vraiment notre item. C'est une citrouille qui nous permet, hop là, de faire un peu de dégâts. Mais surtout, si j'y arrive, si les ennemis apparaissent, d'aller citrouiller. Hop là! Les ennemis, les joueurs adverses directement. Et quand on les citrouille, alors déjà ça les embête, on peut leur redash dessus pour les bump loin, mais eux peuvent faire de même. Par contre, dès qu'on les citrouille, ils perdent l'intégralité de leur énergie à EOS, ce qu'on doit poser dans les paniers. Quand on est citrouillé, on perd l'intégralité de ça. Hop là, vous voyez, il a fait tomber les points. Bon là, par contre, il y a du monde ici. Voilà, là j'ai mis la citrouille loin, et là, je vais me faire KO. Non, oui, peut-être, je ne sais pas. Ah, c'est bon, KO, trop tard. Du coup, il faut jouer vraiment, vraiment stratégique, en fait, sur cette map thématique. Et l'idée, c'est de pas forcément aller chercher le KO, mais de citrouiller. De les éloigner et d'aller poser les points. Il faut pas accumuler trop de points. Il faut juste... hop là. Faut les citrouiller, prendre leurs points et partir. En fait. C'est vraiment le mieux à faire. J'ai raté ma citrouille. Il n'y a personne là qui a des Pokémon. Mais ils viennent juste nous embêter là en fait. Hein. Pour une première partie, c'est vraiment kikine. C'est gratuit. On a un AFK, tiens donc. C'est agréable. S'ils nous prennent à la base, en fait, c'est pas drôle. Ah, il est plus AFK, d'accord. Hop là. On va essayer.
La Légion subit des buffs. Dans 30 secondes, il y a l'Exécutor. En fait, cette map thématique, c'est juste la map rapide, normale, avec un skin et quelques décors Halloween en pleine nuit. Et avec un gameplay un peu innovant pour les citoyens. Ah. Non, c'est bon. Hop, B. Oui, non, c'est lui qui m'a dit fouille, mince. La franchère. Paf. Hop. Non, il a esquivé ma citrouille. Il a eu. Faut aller voir l'Hector de suite. J'ai plus de points du tout. Hop là, je récupère ce qu'il est par terre. Lecteur dans 20 secondes. Bien joué. Alors par contre le 50 il fait mal. C'est parti, perdu. Oh mon dieu, ils sont tous à côté là. Ça va être la tenaille. Allez, allez, dernière ligne droite. Le citrouillage, garde-voir, non, garde-voir, oui, garde-voir et chaos. Alors non, oh, non, ils ont fait lecteur. Bon, là, il va falloir bien jouer. Hop là, une citrouille gratuite. Ok, c'est bon, gros doudou, c'est géré. La fin de feu, c'est géré. Ok, maintenant faut partir. Faut vite apposer les points, ça fera 100 points de mon côté. Faut que les camarades fassent de même. Non! Je suis bête, c'est vrai que c'est eux qui ont électeur, du coup je peux pas poser instantanément. Mince! Ils ont géré, bravo, bravo l'équipe adverse. Bravo, bravo. Oh, ça s'est pas joué à grand chose en vrai. Attendez une seconde. Ok, suivant. Ah, j'ai pas dit. Merde. J'ai pas mis de. Le petit plus dans tout le monde. C'est pas grave. J'aime beaucoup la peinture. J'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que... Ok, là... Bug. Donc fais attention, on s'éloigne. Carapuce. Hop là. Est-ce que...
esquive de... Oui. Non, je voulais récupérer ça. Non. Attention, citrouille. Yes. Non, non, il va prendre le heal. Il a pris le heal. Il a pris le heal. Pas grave. Là, c'est déjà plus grave. C'est rapide. Il m'a poussé très très loin. Non! Je récupère mes points. Ils sont combien là-haut là? Non, on a failli! Ouf! C'est Nathalie qui s'est fait citrouille pour moi. Je suis désolé. Nathalie va faire te heal par contre. Nathalie va te heal. Non, il a pas envie. Continuez comme ça! Où il va? Il y a carapuce là-haut, les gars. Allez, c'est fait. Attention, Finobi. Non! Mon heal qui va sur le singe. Quelle arnaque. Attention à la citrouille. Ça fait un moment que j'ai pas de citrouille, j'ai très peur, j'ai tous mes points là. Ok, prenez l'huile si vous avez envie. Je vais peut-être aller ailleurs. Hein. Ce serait pas une bonne strat, mon dieu, avec ton placement derrière, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Hop là, c'est bon, il fait la citrouille. Le heal. Hop là, c'est bon, citrouille. Nickel. Continuez comme ça. Au revoir, avec ton placement. J'ai pas mis des points encore, j'aimerais bien en mettre en fait. Ça c'est fait la gratuité. Tortank. Faut peut-être que je m'en aille là. J'ai vraiment besoin de me heal. Tant pis mes camarades, je suis désolé. Mais je reviens. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas lui? Il s'est cru Il s'est cru chez lui quoi? Ah mince, c'était une mauvaise idée. Par contre il a pris tous mes points. Prends-moi mes points, non mais. Ok, je partage avec vous, parce que vous êtes gentil. Mais pas avec les adverse. GG, bravo. Ah, c'est mal passé là. Raté. Au revoir. Non, comment il s'appelle lui, Finobi. Continuez, dernière ligne droite. C'est fait. Ça c'est fait aussi. Direction Elector, les gars. Elector, c'est lui qui va nous sauver la vie. La même surprise qu'on est quand même bien devant là. Bien joué. Allez, ça c'est fait. 50 points à mettre. Pardon, je passe. Ah, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. J'aurais voulu mettre des points en fait. 17 secondes. Ouais, ça va être tendu là. On se bouge, mes camarades. Aïe aïe aïe, le 200 points. C'est ok, un peu chier en bas, un peu chier en haut. Non, en haut ça a été posé. En haut ça a été posé, faut que je donne un coup de main en bas, vite, vite. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Bah, il aurait posé en bas, ça se serait joué à rien. Déjà que là, c'est vraiment serré, vu que le 100 points a été posé en haut. Victoire quand même. Et score nul de ma part, parce que j'ai pas réussi à poser. Et pourtant, il y a eu du kill. Hein. Tant pis pour moi.
Mais bravo à mon équipe, bravo à l'équipe adverse quand même, on est fair play. Voilà. Évidemment, je ne peux pas me dire bravo à moi-même. On retourne lancer une partie. On va prendre l'oiseau de feu, on va changer un peu. On reste dans la thématique feu, mais on change. Histoire 2. Allez. Prêt ? C'est parti ! On est tous en haut là ? Sérieux ? Allié à ces citrouilles. La fin de feu en face aussi. Hop là, citrouillage. Oui! Bravo. Bravo l'équipe. Ok, on prend les points en poste. Non, dommage, dommage. Là par contre c'est moi qui prends un peu cher. Qu'est-ce que je recule pas, je sais pas. Si si j'ai besoin de reculer. Citrouille ratée. Ok je m'en vais. Je m'en vais. Petit île. Non, l'esquive, bravo l'équipe adverse, bravo, bien joué, très bien joué. Très très bien joué. J'ai belle coordination là. Là c'était nul, par contre j'ai mal joué. Oui, j'ai posé. Bravo. Par contre, j'ai été citrouillé bien comme il faut. Hein. Je prends le heal, merci. Paf. Il est où? C'est celui-là? C'est le bon? Je crois que c'est le bon. C'est le bon. Ok. Punaise. Rip l'oiseau, ouais, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Ah.
et de l'oiseau de feu. Non, c'est pas toi que je voulais. C'est toi à côté. Paf. Voilà, ça c'est fait. Citrouille. Eh non, je meurs. Bon. Faut que je me souvienne. L'oiseau de feu, ce n'est pas un tank. Il est très fragile. Il fait mal, mais il est très fragile. Allez, on se prépare. Il y a Lector dans 20 secondes. Je pense qu'on est en train de perdre. Toi, tu t'en vas. Oh là, il y a du monde, il y a du monde. Vite, le vol. On va se régénérer à la base. Voilà, c'est propre. Par contre, là, c'est moins propre. Là, c'est plus mal, ça. Hop, là, c'est ça. Ok, faut qu'on s'en aille. Et vite, 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 vite. Faut qu'on aille sur Lector là, les gars. Il y a du monde. Non. Dommage. Ils vont tous poser. Hein. Ok, j'ai posé. Il va falloir défendre à un moment donné, par contre. Ça va être terminé pour moi. Voilà, terminé pour moi, c'est parti. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui pose de l'autre côté. Je sais pas combien il y a de score. Ça va être annulé. Vas-y, pose, 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 pose. 5, 4, 3. Est-ce que c'est les 100 points qui sauvent la partie? Terminé. Oh, bravo. Victoire. Ah, même sans les 100 points, on aurait gagné. De peu. Bah, je pense. Enfin, pour moi, l'équipe adverse était au-dessus. Donc, bravo. Bravo, bravo. Oh, j'ai été très nul et je suis quasiment MVP. Ah, d'accord. Mais je maintiens que l'équipe adverse était au-dessus. C'est son seul panier, sérieux. Il est MVP parce qu'il a mis un panier à 100 points. C'est dégueulasse. C'est du vol. C'est complètement du vol. Je vais reprendre Oise. Ah non, il a déjà été pris. On va partir sur un petit Florizarre. Un petit Florizarre des familles, ça fait longtemps. J'aime bien Florizarre aussi. J'aime pas trop jouer polyvalent, j'aime pas trop jouer support. Attaquant, ça va. Rapide, j'en joue qu'un. Donc oiseau de feu. Et tant que, à part Tortank que j'aime bien, les autres j'ai un peu de mal. Ma motion, c'est bizarre à jouer. Flagados, ça va. Après le reste. Il y a plein de questions qui sont soulevées quand même. C'est sur les prochains Pokémon qui pourraient être mis ou pas avec... les Pokémon de la jungle qui seront peut-être jamais en jeu. On pense à Abra dans le jardin center. Bah, du coup, il pourra jamais être intégré en jeu en tant que Alakazam. C'est dommage. Lucario, à la base, il a une pré-évolution. C'est dommage de l'avoir mis directement en Lucario. Et concernant les évolutions, Evoli est un Aphali. Donc, quid des autres évolutions? Bah, pour moi, elles ne viendront pas en fait. C'est parti. Ou alors elles seront séparées, mais tout chacun seront des évolis. Et du coup, on pourrait jouer 5 évolis dès le début de partie, ça me paraît très très, très bizarre. Donc il y a plein de questions. Le jeu est vraiment sympa. C'est un MOBA très très intéressant, très curieux, très accessible. Mais par contre, je vais parler. Ah, d'accord, merci. C'est gentil. Là.
Mais il y a plein de questions ouais, qui méritent d'être posées. Y'a personne? Sérieux? Je pose hein, dans ce cas. Je m'en vais. Salut garde-voir. Il n'est pas encore un garde-voir derrière. Mince. On m'a volé. Citrouille. Citrouille, potiron, potimarron, légumes de saison. Très très bon. Petite soupe, les petites purées là. Oh non, lapin de feu, il est resté en vie. Dommage. Belle esquive. Oula, attendez, il y a quelqu'un pas loin. Poser mes petits 5. Continuez comme ça. Pas 2 de plus. Mon dieu, aux bots, ils sont plaisir en fait, mes camarades. Là. Je propose. Je fais ma petite vie tranquillement. Mes camarades sont en train de spawn kill les plus adverses. Ah. Prendre le dessus. Est-ce que je peux poser 13? Non. On utilise l'ultime pour la petite frame d'invulnérabilité. C'est utile. Oui. Pose les 16. Il en manque que 5. Il en manque que 5 et je me fais pas citrouille. Il en manque 5. Mon dieu! La petite citrouille, c'est bon, je suis mort, mais je peux plus citrouiller. Lucario, à toi de défendre. Oula, Lucario, mauvaise posture. Au revoir, Lucario. Au revoir, Lucario. Bah, ils reprennent l'avantage là en fait. Recule. Ouais, ils reprennent l'avantage. T'aurais dû les garder toi. 10 secondes de plus, tu mettais 44 au lieu de 22. Hein. Dommage. Pareil là. 12. 22 au lieu de 11. C'est bien Pikachu. Je vais pouvoir faire le truc. Dernière ligne droite. Alors lui, je sais toujours pas comment il se joue. J'ai pas compris. Je le trouve très très difficile à jouer en vrai. Il a pas posé. Hop là, je pose ça, c'est gratuit. 9 points. Bien joué. 8. Ça sauvera pas la partie, mais bon, c'est pour ça de prix. Voilà, c'est fait. Est-ce que j'ai le temps d'aller? Non, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, c'est dommage. 5, 4, 3, 2, 1. Non, j'arrive dessus. Je suis déçu. Oh punaise. Même en les posant ça aurait rien changé. Bon c'est pas grave. On va dire GG quand même. Hein. Ça fait quoi là? 2 victoires, 2 défaites?
On en fait encore deux. Deux petites. Oiseau de feu, on va reprendre oiseau de feu. Oh, les skives. Je vais viser à côté plutôt. Ok, ça c'est fait. Dommage. Ils auraient dû me suivre. Du coup, Zeraora est de nouveau là. La vitre pop. Voilà, oui, bravo le mur. Magnifique. Pikachu c'est pareil. Ok d'accord, Pikachu c'est l'emblème des Pokémon, patati patata. Le Pikachu de Sacha il évolue pas, ok d'accord. Mais Pikachu à la base c'est Pichu, puis ensuite c'est Raichu. Du coup on n'est pas sûr de les voir un jour. C'est dommage ça aussi. Voilà. Il y a du monde là. Ok, ça a été citrouillé. Au revoir le chat. Ah. Moi je pose. Non je pose pas, au revoir. Je l'ai vu arriver d'une... C'était un avion le truc. C'était pas un chat électrique. Ah non. Allez, c'est fait. Ectoplasma, tu me poseras pas. Ah, si, j'ai besoin d'aide par contre. Punaise, dommage. C'est dommage. Vraiment dommage. Allez, allez.
Yes. Non. Oh, la déception. Bon. Le bot, ça... Ah, mais ça craint de tous les côtés, en fait. Zut. On va essayer d'aller mettre les points quelque part. C'est lui que plasma. Mais... Il y a de la défense, là, il y a de la défense. J'ai écrit que c'est bon, c'est géré. Boule 70 de Nafali dans le dos là. J'ai posé. Non, j'ai posé, les gars. Ça me l'a pas compté, sérieux. Bon, ça aurait rien changé, mais quand même. Punaise. Et j'ai posé 0. Hein. J'ai posé 0. Mais j'ai fait des kills. Équipe adverse largement supérieure. On dit bravo. On part sur la dernière de Pokémon Unite. Et on va repartir sur la pinde. Pas du tout. Oui. Ah, c'est gentil, merci. C'est très gentil. Ah, il dit courage en plus. Je veux dire pareil. En évoluant. Oh là, il y a du monde. Il a eu. Oh, la claque. Ah oui, je l'ai eu. Est-ce que j'ai le temps de poser? Parfait. Je prends pas lui, il va arriver trop vite. Les ennemis vont arriver trop vite. Ok.
fait. Il y a un rond grigou pas loin. Non ! Je me suis fait eu. Oh mais attendez. Le truc du rond grigou adverse, les fruits ça me heal à moi aussi. Mais c'est piégeux en fait. Bon il pose bravo, mais c'est piégeux. Ah oui d'accord. Tout pile. Tout pile. C'est dommage. Gardevoir visite la map. Ok, ça c'est fait. Il va falloir aller descendre. Oh là là, la rapidité de l'écureuil. Pendant ce temps, ils sont en train de poser chez nous. Combien il manque ici? Oui, 40. Oui, quand même. Ok, ça a posé combien? Il a rien posé du tout. D'accord. Ok. Je pose le. On va aller faire Elector. Elector peut peut-être nous sauver. Je suis pas confiant, mais. Qui c'est qu'il a? C'est eux. Une SCE qui ont Elector. Et BGG. Oh le 100 points de l'amour là. Non non je me rends pas. C'est pas bon. Hop là. Perdu. Défaite. Tant pis. Voilà pour cette petite session de Pokémon Unite. On récupère ce qu'il y a transmuté. Qu'est-ce que c'est? Un sac Farizard. D'accord. Il y a des nouvelles choses que je ne savais pas là-dedans. Ah ouais. Les items que l'on a des points. Ça, je les ai tous. Ok, d'accord. Très bien. On va enlever la petite notification. Voilà. Et en termes d'event, on est bon. De toute façon, tout avait été fait avant le stream. Voilà pour Pokémon Unite. Je pensais poursuivre sur autre chose, mais en fait, non, je m'arrêtais là. J'ai encore courbaturé de Ring Fit. Bon, je vous retrouve la semaine prochaine, mes camarades également. Je sais pas trop ce qu'il y aura encore la semaine prochaine. Donc tenez-vous informés sur les réseaux.
Voilà. Passez un agréable week-end et pensez à rejoindre notre Discord si c'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Des bisous. Cordialement. Bisous.